Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la société Big Just Craft. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai trois points de croix à vous présenter et deux accessoires et tout est déjà déballé parce que figurez-vous que ces points de croix, je les ai reçus le 18 avril, aujourd'hui nous sommes le 23. On est mardi et la vidéo était programmée pour être publiée dimanche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la vidéo n'a pas été publiée et en fait la vidéo a disparu de mon téléphone. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a eu, je n'en sais strictement rien, donc les emballages et tout, tout est parti à la poubelle, hein. Moi les toiles étaient rangées, les toiles sont déjà numérotées. Donc, c'est pas grave, je vais quand même vous retourner le unboxing. Donc, comme d'habitude, c'est livré dans un petit sachet en plastique gris, là, qui fait beaucoup de bruit. Hop, on l'attrape, on le vire. Les accessoires. Donc, le premier accessoire est un organisateur de fil, voilà, en PVC. Il était emballé dans une toute petite enveloppe en papier bulle, donc très bien protégé. Il y avait une opercule de protection sur le dessus que j'avais enlevé déjà. Et cet organisateur de fil, il est pour 30 couleurs. Voilà. Il est très très bien. Voilà. Il est pas très grand. Mais super pratique pour faire des petits projets. Voilà. Celui-ci, il est à 1,99 €. Ensuite, celui-ci qui est beaucoup plus grand, hein, vous voyez, il fait pratiquement le double en taille. Il était livré dans une petite boîte en carton, très bien protégé aussi. Et il y avait aussi sur le dessus un film protecteur. Donc celui-ci, moi j'ai trouvé sympa parce qu'en fait dessus c'est des petits abricots. Voilà, et ça va nous donner envie d'arriver dans les beaux jours. Hein, parce que là, actuellement, il fait un petit peu froid depuis quelques jours. Donc... celui-ci, il est prévu pour 36 couleurs. Voilà. Il est super beau. J'aime beaucoup. Pareil, PVC. Hein. Nickel, pas de problème. Celui-ci, 2,99 €. Voilà. Ça, c'est pour les accessoires. Donc, les points de croix, je les ai mis à l'envers. Et c'est parti. Alors, celui-ci. Donc, ça, c'est une toile. Je ne sais pas pourquoi je l'ai. C'était pas du tout prévu dans les articles que j'avais choisis. Alors, est-ce que par rapport aux toiles et aux accessoires que j'ai choisis, le budget n'était pas suffisamment conséquent par rapport à ce qui était proposé et ils ont ajouté quelque chose, j'en sais rien. Ou est-ce que c'est une erreur de leur part, je ne sais pas. Donc, quand je vais leur envoyer le lien de cette vidéo, je leur dirai. Voilà, j'aurai peut-être une réponse. Alors, c'est une toile type Joy Sunday. Et vous pouvez constater que c'est la princesse, la reine des neiges. Donc Elsa et sa sœur Anna. C'est bien dommage parce que c'est pas du tout mon kiff. Moi, les Disney en point de croix, j'adhère pas trop. Alors, 14 CT, 2 brins. Elle fait 27 par 28 cm. Bien évidemment, c'est une toile en dimension bord inclus. Voilà. Alors, on va retrouver un diagramme format A4, papier glacé. Donc la première partie des deux visages. Voilà, c'est pas mal. Apparemment... il n'y a pas l'air d'avoir trop de points spéciaux à part le backstitch. L'autre partie, elle est ici. Et il y a du 3 quarts de stitch. Vous voyez, j'ai déjà fait la vidéo, mais je m'en souvenais déjà plus. Donc, il y a 22 couleurs. En tout, il y a 22 couleurs. On a 2, 4, 6, 8, 10 couleurs en 3 quarts de stitch. Et on a trois couleurs en backstitch. Voilà. La toile. La toile est très bloc. Alors c'est vrai que
C'est une toile qui peut tout à fait aller à une débutante parce que le trois quarts de stitch, bon, il suffit de regarder des vidéos. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo explicative à ce sujet. C'est un point qui est relativement facile à faire. Et elle est très très bloc, donc très très simple à faire. Donc la toile est surjetée comme d'habitude. Voilà. Elle est très bien imprimée, hein. Elle est très très bien imprimée. Et les couleurs, voilà. Hop. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec la vidéo parce que je n'avais aucun commentaire. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, personne réagit à ma vidéo. Et oui, effectivement, quand j'ai vérifié, la vidéo n'y était pas. Voilà pourquoi je m'en suis rendu compte. Alors, voilà, donc les couleurs, hein, on est sur des couleurs de peau, du noir, du bleu, des tons roses, des tons un peu roux, bah ça va sûrement être pour les cheveux de Anna. Et de l'autre côté, on est plus sur des teintes de bleu et des teintes de peau. Voilà. Alors, cette toile, bah en fait, je peux pas. Je ne peux pas vous donner de renseignements dessus, puisque ce n'est pas mon choix. Je ne connais pas le prix. Et en plus, je l'ai cherché sur le site et je ne l'ai pas trouvé. Bon. Alors, j'ai mis la Reine des Neiges, j'ai mis Elsa, j'ai mis les Girls, j'ai remis le code, le code de la toile. Voilà, j'ai mis le code C421, j'ai remis le code du QR code qui est là, j'ai mis le code qui est ici. Rien, non, rien, rien, rien. J'ai pas réussi à la trouver. Alors, je vais voir avec Big Just Craft quand ils me répondront. Je vais leur demander en même temps bah, s'ils ont le lien de cette toile. Parce que c'est pas parce que moi, c'est pas mon truc, ce modèle-là, que. Ça peut pas forcément plaire à d'autres. Donc ce serait bien aussi de pouvoir avoir le lien pour l'acquérir, à moins qu'elle ne soit plus disponible. Voilà. Ensuite, ça, c'est mes choix. Et vous voyez, j'avais déjà marqué, hein, j'avais fait l'unboxing le jour où je l'ai reçu, hein. Alors, ça, ce sont les rizières. Voilà, on revient sur mon type japonais, chinois. Moi, j'adore cette toile, elle est magnifique. Je la trouve super belle. Là, en plus, en retour caméra, elle est encore plus jolie que moi, je la vois. Et je pense que ça va être une toile très facile à faire. Alors, toujours pareil, modèle Johnson D, 14 CT, donc en deux brins. Et elle fait 35 par 36, bord inclus, bien entendu. Hop. Voilà, donc. Ah ouais, elle est très très belle. Hein. Donc on a, excusez-moi, le diagramme sur papier glacé en double page, format A4, toujours pareil. Ouais, super facile à faire. Elle est très bloc aussi, très très bloc. Là, il y a toute une partie de blanc qui ne sera pas à faire. Hein. Et de l'autre côté, on retrouve la partie avec le lac ou je sais pas quoi, le pêcheur et une partie des arbres. Et il n'y a que du full stitch. Ça, c'est la toile nickel. Voilà. Si vous êtes débutant, là, vous pouvez y aller. C'est que de la croix pleine. Et elle a 26 couleurs. Alors, la toile. Voyez-moi ça. Elle est trop bien. Elle est trop trop bien. Elle est surjetée, bien entendu. Voilà. Et comme je vous disais, voilà, toute la partie blanche ici, elle n'est pas abordée. Elle est ultra bloc. Elle va être ultra facile à faire. Elle est très souple. Elle est très très bien.
Ça me donne très envie de la commencer, surtout que vous allez bientôt voir. Là, j'ai fini une petite toile, il faut que je fasse la revue. Mais ah, elle est très très belle. Ouais. Alors, les couleurs. J'ai pas vérifié, elle est bien imprimée normalement. Oui, comme d'hab. Alors, les couleurs. Donc, on est avec la cartonnette qu'on aime bien. Voilà, ce modèle-là, où vous avez tout qui est inscrit, avec le sachet et les deux aiguilles. Oh, ah, les couleurs. Regardez ça. Oh, ah, je kiffe. Ah, je kiffe. Elle est trop belle. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez-moi ça. Ah, j'adore. Celle-là, quand elle va être faite, elle va être accrochée. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Regardez-moi ce panel de couleurs. Oh, pop, 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 pop. Elle est magnifique. Alors, chose que j'avais fait dans la première vidéo et que je vais refaire pour vous faire voir quand même que c'est pas du tout la même chose. Si vous me suivez, vous savez que j'ai mis pour le sable du Nouvel An chinois une toile avec un tigre et que sur cette toile, il y a exactement le même système. Il y a un fond de ciel avec un soleil que je vous ai précisé que je ne ferai pas puisque tout est dans les tons roses et je trouve que ça fait très moche. Et là, j'ai déjà vérifié et en fait, ça va être nickel. Alors, je vais quand même regarder avec vous pour vous faire voir que ça va être magnifique. Alors, la première ligne, c'est une bande de orange. Il serait bien que j'ai le bon côté. Voilà. Donc, c'est la lettre L majuscule qui est le 21. Donc, la première bande du haut, ça va être du gris clair. Donc pour un ciel, c'est tout à fait correct. Ensuite, les petits zigouigouis violets, c'est du H. Et le H, c'est le 18. Donc le 18, c'est un beige. Voilà. Ensuite, les zigouigouis orange, c'est le B majuscule, donc ça va être le 12. Et le 12, c'est le jaune pastel. Hop et hop. Donc cette toile va être brodée au ciel comme ceci, donc du gris, le beige et le jaune. Là, par contre, on est vraiment dans des couleurs de ciel qui est en train de se couvrir ou de se lever avec le soleil. Là, ces couleurs-là, j'accepte. De toute façon, c'est ce qu'on voit ici. Donc, bah oui, bah là, vous voyez rien avec le reflet de la fenêtre. Voilà. Là, on voit très bien le ciel comment il est et c'est vraiment le vrai rendu des couleurs et le soleil. On est sur du K et du 9. Donc du 20 et du 9. Alors, E20. Donc le haut du soleil, il va être comme ça. Et le bas du soleil, il va être comme ça. Donc c'est un soleil couchant, en fait. Voilà. Puis au milieu, là, il y a du blanc, je crois. Ouais, c'est du blanc là, les petits points qui sont là. Ouais, bah là, elle est parfaite. Parfaite, parfaite, parfaite. Alors, je rembobine tout ça. Hop. Alors, cette broderie sur le site de Big Just Craft. Hop. Elle est au prix de. Attends. 5,99. Pas cher du tout. Ah, on dira 6. Hein. Ah, ça fait 6 euros, puisque l'euro et le dollar, c'est à peu près pareil.
Ça fait vraiment un joli modèle pour vraiment pas cher. Elle est trop belle. Et la dernière, alors c'est un thème complètement différent. Là, c'est un thème vacances, bord de mer. Donc toujours le type Joy Sunday. Et vous voyez que sur cette toile, et ben en fait, on retrouve le phare en bord de mer avec la mouette. Là, on a une petite ligne avec une étoile de mer, un nautilus, un poisson qui ressemble à un requin et une coquille Saint-Jacques. Ici, on a le début de la plage avec le seau, la pelle, la coquille là, qui ressemble à un bigorneau avec le panneau marqué To Beach, donc la plage. Ici, on a un simple petit voilier avec des étoiles. Et aussi, ici en bas, on a le port de plaisance, donc avec le bateau, la boutique fishing, donc poisson, et puis ça, la petite cabane du pêcheur. Voilà. Elle est en 14 CT et elle fait 41 par 25, toujours en beurre inclus. Hop. Alors. Le diagramme. Donc on est là aussi sur une double page en papier glacé. Voilà. Et le diagramme, il est superbe. Donc il y en a une partie là et la partie avec le phare se trouve de l'autre côté. Alors sur cette toile, comme vous pouvez le voir, on a du full stitch, on a du back stitch et on a du French knot. Donc le point de nœud. Ouais, je me rappelais pas qu'il y avait du point de nœud. On va regarder où il y en a après. Alors, elle est composée de 24 couleurs. Donc, ah si, je me souviens, ça y est. Donc, en fait, le point de nœud, on va le retrouver là, dans l'étoile. Vous voyez, les petits points qui sont là, c'est du point de nœud. Il y en a un là pour faire l'œil du poisson. Ah oui, et il y en a un là et un là, c'est pour faire les poignées des portes. Voilà. Chose qui est vachement cool aussi, c'est que comme vous pouvez le voir là, sur le dessin original, il y a un cadre blanc et noir qui fait toutes les cases. Et vous avez aussi un cadre rouge et blanc qui fait tout le tour. Chose qui est fort sympa, c'est que sur ce modèle-là, les deux cadres sont à faire. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a les traits noirs là qui sont tout autour de chaque cadre. Donc ça, c'est à faire en point arrière. Et vous avez aussi le diagramme pour tout le cadre, voilà, qui est en carreau noir et blanc. Ça va faire une superbe finition. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez plusieurs, comment on dit, plusieurs. Plusieurs scènes. Voilà, il y a la scène du bateau, de la plage, de la boutique, les petites choses de bord de mer et le phare. Donc vous pouvez très bien commencer faire une case entière, faire une case, etc., etc. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors, celle-ci, elle est en format paysage. Toujours. Surjeté, bien entendu, toile ultra souple, il n'y a pas de problème. Et au niveau de l'impression, et ben comme toujours, hein, c'est très très bien. Hein. Voilà, elle est mignonne, elle est mignonne et j'aime beaucoup ce fait d'avoir été faire un cadre autour. Ça, c'est très bien. Pour ceux et celles que ça intéresse, j'ai pas dit sur les autres, celle-là a fait 180 par 100 points. Ouais, elle est vachement cool. Moi, j'aime beaucoup. Alors, la cartonnette, c'est la même, voilà. Celle avec toutes les inscriptions, les deux aiguilles. Les couleurs, et bien évidemment, hein, comme vous pouvez le voir là-dessus, on va être sur des tons bleus, marron, rouge, vert. Voilà, un petit mélange de couleurs, hein.
24 couleurs, fort sympathique. Voilà, il n'y a pas de quoi avoir une toile monotone. Elle va être très très jolie aussi celle-là. J'en ai tellement de très très jolies que je ne sais jamais par laquelle commencer. Mais celle-là fait très bord de mer, très vacances. Et ce sera peut-être un modèle que je ferai cet été. Hein. Ouais. Alors, hop, on va ranger tout ça. Voilà. Alors, cette toile décor vacances bord de mer, elle est au prix de 4,99 €. Voilà. Vraiment des projets à pas cher. Hein. Je vous garantis que si vous allez dans des boutiques de mercerie, des toiles comme ça, vous les payez pas ce prix-là. Hein. C'est beaucoup plus cher. Hein. Beaucoup plus cher. Alors, on se fait un petit récap. Donc, la Reine des Neiges que je n'avais pas choisie, qui m'est arrivée comme ça et qu'on ne voit rien à cause du contre-jour. Voilà. Dès que j'ai des renseignements, je vous le mets dans je le rajouterai dans la vidéo. La toile avec ce paysage japonisant ou chinoisant, comme vous voulez, elle est au prix de 5,99 €. La bord de mer, elle est au prix de 4,99 €. L'organisateur de fil en 30 couleurs, 1,99 €. Et celui en 36 couleurs, 2,99 €. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que le choix de mes produits vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des envies de vous faire plaisir. Et puis, je pense que très prochainement. Mais après, j'ai l'autre bleu qui vient de chez eux aussi, je crois. Bah oui, en plus, c'est le même partenariat. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Voilà, on verra bien. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Et comme d'habitude, vous retrouvez tout dans la barre de description, hein, le lien du site, le lien des toiles, le lien des produits, etc., etc. Il n'y a pas de souci à part celle-là, voilà. Dès que j'aurai des informations, je les mettrai dans la description. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!